Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la Réari sur Cinema 4D. Donc on va continuer. J'avais pensé faire la vitre arrière. Mais avant de faire la vitre arrière, on va faire tout le plancher, enfin bref, le plancher de la voiture pour masquer tout le fond et faire les passages de roues ici. Voilà. Donc on va faire ça. Donc on va s'amuser à cacher l'aile arrière, il n'y a pas besoin. La malle arrière, pas besoin. Le pare-choc arrière, il n'y a pas besoin. On garde juste la jupe. Ici, vous voyez, j'ai commencé le tuto sur la vitre. Hop, on est parti. Ok. Et à l'avant, la portière, on va pouvoir la cacher. L'aile avant, on va pouvoir la cacher. On va garder juste ici le bas de caisse. Ici. Et le pare-choc avant, faut que je le cache aussi. C'est cela qui va nous servir. Ok. On va créer un plan. Un plan. Hop, on va se mettre sur la vue de dessus. Ici. On va cacher ici la vue de dessus. Ici. Hop, voilà. On va commencer à l'étirer pour arriver déjà un peu au plus près quand même. Voilà, comme ceci. Et puis là, je vais mettre 2, 1, entrée. Je vais éditer tout de suite. Hop. Par point. Rectangle de sélection. Hop, j'ai sélectionné 2 points. Et je vais faire sup ici. Ok. Et je vais placer ces points à peu près celui-là ici. Celui-là va venir là. Celui-là, on va le laisser là. Pour l'instant, j'ai rien pour voir ce que je vais faire. Celui-ci, je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Passer sur la vue de côté. Voilà. Je vais prendre ces points-là, les descendre ici, et ces points-là aussi, pareil, je vais prendre, les mettre ici. On va passer en vue perspective. Je vais enlever la surface subdivision quand même pour pas que ça me gêne de trop. Voilà. Et je vais venir placer mes points correctement, s'ils ne sont pas bien placés. Voilà. On va essayer de se mettre au plus près. Et pour pas que la lumière passe. Ici, bah, il va aller là, celui-là, hein, tant pis. Voilà. Ok. À l'avant, wow, ça fait sacrée longueur. Hop, il est parti, je sais pas où. Voilà. Tu vois, je vais plutôt venir le mettre là-bas. Parti un peu trop loin. Voilà. Et ici, bah lui il est en dessous carrément. Ici, celui-là, hop, on va le faire passer sur l'avant. Ceci. Ok. Donc on va mettre tes coupes ici. J'aurais besoin d'une coupe, une ici, et puis j'aurais besoin certainement une ici. Ok, et puis hop, j'ai positionné ces points, hop, pour qu'ils restent un peu visibles quand même de ce côté-ci.
Alors, ça devrait être pas trop mal. Ok. Peut-être celui-ci. Waouh. Hop. On va venir un petit peu devant. Ici, un peu trop. Ah, c'est pas vrai. Je vais le prendre comme ça. J'arrêterai de faire des conneries. On va le baisser un peu juste. Voilà. On va s'occuper de l'arrière. Voilà. Bah, enfin, quand tu auras que celui-ci à bouger un peu, le mettre ici. Voilà. Voilà. Voilà, il n'y a que moins de jours possibles passent. Voilà. Peut-être remonter un peu ces deux-là. Ok. Ça, c'est fait. On va reprendre l'outil couteau. Nous aurons besoin, en premier temps, une coupe ici. J'aurai besoin d'une coupe ici. On va placer directement celui-là, ça sera fait. Et je vais prendre plutôt mon pinceau de sélection. Ok. Et puis on va venir les placer. Voilà. Celui-ci, on va venir plus au bord. C'est qu'on aura notre passage de roue ici, on aura une coupe à faire. Donc ok, ici je vais avoir besoin d'une ici, qu'on va placer hop, de suite, ça sera fait. Hop. Là c'est pareil, on va venir le placer au plus près ici, peut-être redescendre un peu. Hop. Voilà. L'autre pareil, peut-être le descendre, non? Voilà. On va faire rentrer dedans. Ok. Ça ressort pas à l'autre côté. Non. Nickel. Bon, si c'est pas droit ici, vous voyez, c'est. On s'en fout, quoi. Ça se verra pas. Donc l'autre passage ici de roue, on aura un ici et un ici, voilà, et puis hop, on va le placer comme il faut de suite, hop, un peu trop, hop, il descend légèrement, voilà, celui-ci pareil. On va venir par là, faire rentrer, reculer un peu la hauteur. On va dire que c'est bon. On va voir ici par en dessous qu'est-ce que ça donne. Pas sûr quand il part. Si, une petite coupe ici, juste pour cacher ici. Ça devrait pas qu'il y ait un petit bout de lumière qui passe par rapport à ici. Voilà. Ok. Là, ça ressort un peu, non? Non, il est bien sur l'intérieur. Ok. Peut-être rapprocher un peu celui-là. Par là-bas. Ok. Bon, les passages de roue. Bon, bah là, du coup, je serai obligé de tout réafficher, hein.
Peut-être pas la portière, mais au moins les lavoirs. Ici, le pare-choc pour pouvoir pour mon passage de roue. L'aile arrière, j'aurais besoin aussi. Et le pare-choc arrière, j'aurais besoin. Ok. Donc là, ben, on va prendre tout simplement, tout bêtement, un cylindre qui est là-bas. Bon, si je fais passer par là-bas, si je me trompe de... Voilà. Donc on va le passer en plus X, comme ceci. On va changer de vue, on va se mettre sur la vue de profil ici. Justement, on va la cacher aussi. Voilà. Pour avoir juste ça. Et on va venir positionner ici notre cylindre. Et on va pouvoir ici... l'agrandir. J'ai pas besoin de tout ça de segmentation autour. Je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, quand même. 20. 20, ça devrait le faire. Ok. On va... non, déjà... la largeur, on va peut-être voir comment on va faire ça. Vu dessus. Là, j'ai pas trop de détails par rapport à... Ah ça, on va le laisser comme ça. Comment ça devrait le faire? On va le laisser comme ça. On va l'éditer. Voilà. On va passer ici par point. On va faire un contrôle A parce que nous avons 82 points. Hein. Pas oublier que le couvercle n'est pas soudé au cylindre par lui-même. Donc ici, nous avons, par exemple, ici, hop, si je prends juste par exemple celui-là, hop, vous voyez, j'ai 2 points. Donc il n'est pas soudé. Donc clic droit, optimiser, voilà. Je passe à 42. Je vais supprimer ce point-là. J'ai pas besoin. J'ai passé sa vue de côté ici. Hop, celui-ci, j'ai pas besoin, celui-ci, 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 j'ai pas besoin. Et oui, celui-ci, je sais pas pourquoi, j'ai enlevé un point ici, celui-là est parti. Bon, enfin bref. Hop, sup. Et puis je vais placer mes points. Comme il faut, j'ai essayé, hop, venir là. J'ai peut-être mis trop de segmentation, peut-être. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. J'en enlèverai après. Ouais, j'enlèverai après. Celui-là, il va aller là. Celui-ci va aller là. Celui-ci, il va aller là. Et en voyant ici, vous voyez, j'ai comme un petit souci ici, tac, voilà, sur l'aile avant. Non, c'est le pare-choc. Le pare-choc, voilà. Je vais reprendre ces points-là. Voilà, le faire venir un peu ici. Voilà. Je remets la surface subdivision ici. Ok. Je sais pas pourquoi ils étaient bougés. Enfin, c'est pas grave. C'est rectifié. On va retourner sur le cylindre ici. Je vais remettre là. Peut-être rapprocher un peu plus celui-là. Ici. Ok. Celui-ci. Allez là. Et ainsi de suite.
Ici, et celui-là, il va aller en bas de tout. Voilà. Ok. Ici. Celui-ci, on va le mettre là. Celui-ci, ici. Celui-ci, ici. Et celui-ci, ici. Donc, j'ai que deux arêtes enlevées en fin de compte. On va les enlever de suite, hein. Ça fera des polygones de moins. Non, c'est celui-là et celui-là que je voulais enlever. Clic droit, dissoudre, dissoudre, dissoudre. Hop. Pourquoi il m'a gardé ça? Ouais, si je suis peu. Pourquoi il m'a pas pris. Ah oui. Pas oublié. J'allais oublier. Cette arête-ci. Voilà. Et celle-ci. Hop, on va les dissoudre aussi. Hop. Voilà. C'est mieux. Du coup, ici, ben, j'ai une ouverture. C'est très bien. Hop, on va fermer ça. Clic droit, ponter. On va prendre ce polygone-là. Et on va venir ici. Voilà. Ok. Et on va revenir ici sur notre plan. On va voir une coupe à faire. Ici. Là, on s'en fout qu'il ne va pas jusqu'au bout, hein, personnellement. Ça se verra pas. Voilà. Et puis, hop, on va le supprimer. Sup. Et voilà, nous avons ici notre passage de roue. Voilà, si je mets ma surface subdivision. Voilà. Donc on n'a plus qu'à rentrer ces points-là en fin de compte. Voilà, hop, j'ai par point sur mon cylindre. Et hop, je n'ai plus qu'à aller. Juste les rentrer comme ça pour plus que ça se voit. Voilà. Ah. Voilà. Voilà, on va y voir à l'intérieur ici. On va voir si on peut rapprocher cela. Alors qu'il y a moins de jours possibles qui passent. Ouais, qu'il n'y en a pas du tout d'ailleurs, ça sera encore mieux. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà, passage de roue fait. Ici, ma coupe, j'ai pas gazé ici sur mon plan. Donc hop, je vais revenir par là. Ça serait bête d'avoir un petit jour qui vient foutre notre rendu en l'air pour des petites bricoles comme ça. Ça serait ballot. Voilà. Ok. Donc ben voilà. Je fais pas l'arrière. L'arrière, c'est exactement le même principe, hein. Il n'y a pas à chercher midi 14h. Ça va être exactement la même chose. Voilà. Si je mets la surface subdivision.
Le cylindre, je vais le mettre à l'avant. Voilà. Je vais regarder ce que ça donne. Par contre, là, j'aurai, vous voyez, une coupe à faire, une boucle. Voilà. Vous voyez, ça dépasse pas. J'ai l'impression que ça dépasse, mais non, ça dépasse pas. Hop. Quitte à reculer un peu, hein, si vous avez un doute. Voilà. Voilà. Et celui-ci aussi. Ah, logiquement, ça se voit pas. On va se mettre au plus près, on verra mieux. Au cas où. Oui, ça dépasse pas. Donc, il nous reste plus qu'une boucle à faire ici. Si je vais arriver à le faire, surface subdivision, il va pas me faire une boucle. Moi, je vais la faire comme ça. Hop, je vais mettre là. Voilà. Ok. Et ici, avec toujours le couteau, ligne, je vais prendre celui-là que je vais venir ici. Là, j'ai un petit triangle, je ne vais pas m'emmerder avec. On le verra pas. Voilà. Ok. Quoique, ça fait deux polygones en plus. Oh, il va se enlever, hein. Autant faire ça propre, hein. Carrément. Hein. Hop. Souder ici. Voilà. Souder ici. Ça, en faisant ça, en fin de compte, en éliminant les triangles comme ça, et ben ça le fait pas. Alors, je vais revenir en arrière, du coup. Voilà. C'est de l'autre côté que j'aurais dû le faire. Non, si je soude celui-là, celui-là. Non, c'est ces deux-là qu'il faut que je soude. Excusez-moi. Voilà. Je vais inverser mes points. Voilà. Ok. Et plus qu'une coupe ici en tour. Pas par ligne, bien sûr, ça marchera pas bien. Voilà. Ok. Donc nous avons encore un petit arrondi, mais il y aura la roue, hein. On verra pas grand-chose de ce côté-là, c'est sûr que voilà. Ok, donc ben je vous laisse faire l'arrière. Hein, vous pouvez récupérer ce cylindre-là, hein, faire un contrôle, le déplacer, hop, le mettre à l'arrière. Vous en avez un deuxième, hop. Hop, on va passer deux vues ici. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, hein, juste ici. Hop, on va passer ici. Et puis vous avez jusque, hop, ici les points juste à adapter. Voilà. Voilà, de façon que. Oublier, hop, voilà, on va les remonter ici. Voilà, ici, on va dire que c'est bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein, une fois que vous avez fait le tour, ouais, comme je suis parti, je vais jusqu'au bout, comme ça va être fait. Il n'y en a pas pour longtemps, puisque plus gros du travail est fait. Voilà, j'ai passé sur cette vue-ci. Voilà.
Peut-être pas tout ça. Ouais, tous ces points-là, quitte à les faire sortir un peu ici, et comme ça, vous allez pouvoir les rentrer comme il faut à votre guise, comme ça, vous verrez mieux où ils se trouvent. Voilà. 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 Ah bon. Ah ok. Voilà, je rentre mes points. Ok. 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 On a peut-être un peu plus celui-là quand même. Voilà. Surface subdivision. On fait un contrôle. Aller un peu plus près, voir si ça dépasse pas ici. Bah, logiquement, non, hein. On voit toujours les points, mais en fin de compte, ils ressortent pas. Voilà. Et puis, bah, on va couper de suite ici. Notre plan. Voilà, je vais le couper ici. Voilà. Hop. Ce point-là, il va demander à être déplacé. Voilà. Celui-là va demander à venir en arrière un peu. Voilà. Celui-ci légèrement. Voilà. Hop. On va prendre ce plan-là. Et hop, sup. Et voilà. Il n'y a plus qu'à tout réafficher. Toute notre voiture. Voilà. Voilà. Mon plan, je vais le mettre dans une symétrie. Je ne vais pas le mettre dans celle-ci parce que comme il y a la surface subdivision, bah les bords vont être arrondis. Donc je serai obligé de leur donner des coupes pour ça. Donc ça va créer d'autres polygones supplémentaires, ce qui ne sert à rien du tout. Donc je vais le mettre dans une symétrie tout seul. Ici. Et voilà. Voilà. Notre voiture est fermée. Je vais pas dire hermétique hein, non plus. Pas exagéré. Mais au moins, c'est fermé. La lumière qui va arriver, par exemple, d'ici. On ne la verra pas ici en dessous. Surtout qu'ici, on aura encore un truc ici à l'intérieur à venir. Donc, ça va doubler un peu tout ça. Ok. Ben voilà. Et ici, on va l'appeler Saul. Ouais, Saul. On va le laisser là, à l'extérieur. Voilà. Ok, quitte à faire ça, hop, 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 faire clic droit, non, Alt G, et puis on va l'appeler ma Ferrari tout simplement. Voilà, comme ça, au moins tout est dedans, sans souci. Ok, donc prochain tuto, c'est promis, on va faire les vitres. On fera l'intérieur après. On va faire les vitres. Voilà. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis à bientôt. Ciao.